Les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans les Antilles ont échappé à un deuxième ouragan dévastateur. Le cyclone José de catégorie 4 est finalement passé plus au large des deux territoires où les dégâts causés par Irma sont considérables. La quasi-totalité de l'île de Saint-Martin porte les stigmates du cyclone. La situation sur place est chaotique. Critiqué pour sa gestion de la crise, le gouvernement français a déployé des militaires supplémentaires sur place, notamment pour aider à la distribution de la nourriture et de l'eau potable, ainsi qu'au rétablissement des réseaux électriques et moyens de communication. Une radio d'urgence a été lancée pour informer les sinistrés. La priorité est aussi au rétablissement de la sécurité, alors que les pillages sur les deux îles se multiplient et que des habitants sont livrés à eux-mêmes en raison de la désorganisation générale et du manque de personnel de sécurité et de secours. Les dégâts dans les Antilles sont estimés à 1,2 milliard d'euros par une caisse d'assurance. La reconstruction s'annonce longue et difficile.